vous aviez un passeport en 2009? Moi? Oui. Un passeport? Oui. Passeport de quoi? Si vous aviez un passeport en 2009. Non, je ne me... J'ai un passeport. Oui, est-ce qu'en 2009, vous aviez un passeport ou en 2010? Vous savez, en 2009, j'étais étudiante. J'étais étudiante. Est-ce que vous aviez un passeport en 2009? Non. D'accord. En quelle année vous avez eu votre premier passeport? Monsieur, je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. D'accord. Alors, vous ne voyez pas que vous nous mettez dans l'embarras en ramenant cette affaire devant les médias parce que vous êtes femme. Il y a certaines questions par éducation, on ne peut pas vous les poser ici. Vous ne pensez pas que vous... La question, oui. Oui, je lui pose la question de savoir est-ce qu'elle ne nous a pas mis dans un embarras en ramenant cette affaire devant les médias. Moi, je suis déjà sortie dans les médias partout. Oui, mais vous n'aviez parlé de personne dans les médias. C'est ici que vous parlez des gens. Oui. Et maintenant, nous sommes obligés de vous poser des questions par rapport à vous, ce que vous avez vécu et ce que vous avez produit devant ce tribunal. Ici, c'est la justice. On peut donc tout dire, on peut tout discuter. La justice appréciée, là, ce qu'on connaît, on dit. Ce qu'on ne connaît pas, on ne dit pas. Parce qu'on sait que tôt ou tard, on va mourir tous, non? D'accord. Je n'ai pas là pour accuser et faire n'importe quoi à la barre ici. Ce jour-là, d'abord avant le 28 septembre, vous logiez où? Avant le 28 septembre. Je logeais chez moi. D'accord. Après les événements, vous êtes sorti. Je vous vois entre deux gendarmes ici. En tout cas, je vois une photo qui ne prouve même pas que c'est vous, madame. Comment vous pouvez prouver, convaincre ce tribunal que c'est vous qui êtes sur cette photo? Moi, je sais que c'est moi qui est sur la photo. Mais on ne voit même pas votre tête. Moi, mon souhait, c'est de faire sortir les gens qui ont fait ça. Vous n'avez même pas les mêmes teints. J'ai tout fait. Je suis partie même au labo pour travailler sur ça, pour les faire sortir. Vous comprenez ça? Je suis partie, j'ai tout fait. Si Dieu acceptait, faisait cela pour moi, ça ferait plaisir pour moi, maître. Parce que j'ai tout fait. Moi, je sais que lorsque je sortais chez moi, c'est le pantalon, le t-shirt, le champion là, et sur la chaussette blanche que j'avais portée. J'avais même maillot que je faisais le sport là, que j'ai porté en bas, culotte bleue ce jour-là. Puisque vous avez vu déjà cette photo à maintes reprises, vous pouvez vous rappeler de quel endroit du stade que la photo là a été prise, ou alors vous étiez entre les mains de ces deux hommes? Est-ce que nous, on peut nous-mêmes prendre nos photos là où on nous prenait? C'est les gens qui ont pris les photos, c'est sorti partout. C'est sorti sur France le même jour. Ça n'a même pas... Lorsque le massacre a eu lieu, le même jour, lorsque on était à Disque, c'est là-bas que la photo est sortie. Et l'image est sortie. Oui, mais rien ne prouve que ça, c'est le stade. Ah, nous, on sait que là-bas, c'est le stade. Là-bas. Aucun. Allah Akbar. Hey. Dites à Safroulaye 1000 fois. S'il vous plaît. Parce que le fait que ça. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et mes avocats qui sont assis ici. Et la nation qui nous regarde. Je vous le jure. Mais
Arrêtez de dire la photo. Moi, je n'ai pas l'intérêt de prendre une photo et faire sortir. C'est pas moi qui a, c'est Dieu qui a fait sortir ça. C'est Dieu qui a fait sortir. C'est sortir international. C'est pas c'est moi bon, ni quelqu'un. Une autre question. Vous n'avez pas intérêt de sortir la photo. Je n'ai pas intérêt. C'est l'intérêt. Bon, s'il vous plaît. Une autre question. Vous n'avez pas d'intérêt. Maintenant, quel intérêt avez-vous d'accuser fortuitement des citoyens? Quel intérêt vous avez de dénoncer, de déclarer que vous avez vu tel ou tel au stade alors que ça n'est pas le cas? C'est parce que j'ai été là où le fait a été produit. Si je n'étais pas là-bas, je ne pouvais pas parler de ce qui s'est passé là-bas. Si je n'étais pas là-bas, est-ce que je pouvais venir devant la barre raconter ici des bobards? Vous savez que c'est pas vous savez que c'est vous-même qui avez créé le doute par rapport à votre constitution de parti civil. Vous savez ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Pourquoi, au sorti du stade, si effectivement vous aviez été victime de viol, vous ne vous êtes pas dirigé à un hôpital? En ce temps, est-ce que c'est dirigé vers un hôpital? Tu n'as confiance à personne. Tu n'as confiance. En ce moment, qui a confiance à l'autre? Personne. Moi, j'étais partie au GDS. Au GDS, là, c'est M. Tchernomaz. Vous vous rappelez, non? C'est M. Tchernomaz. Lorsqu'il était là, au Bellevue, ici, je suis partie là-bas. C'est lui. On est allé chez lui. Après, il nous a envoyé. C'est une dame. Une dame, sage-femme. J'étais même avec Aïssa ce jour-là. Aïssa, celle qui est passée à la barre. J'étais avec elle ce jour qu'on était parti là-bas. Bon, maintenant, vu la situation, le pays n'est pas calme. On préfère garder. Ça, c'est nos dignités. C'est dignités, là, c'est blessé trop. On ne peut pas aller n'importe où, parler de nos situations, parler de ça. Pour maintenant, on sait. Parce que toute personne, il y avait même des victimes qu'on entendait qu'elles sont disparues. Et bon, comment que nous pouvons sortir? C'est en ce moment qu'on a eu l'évacuation de partir à Dakar. Donc vous aviez honte à l'époque ou bien vous aviez peur? J'ai peur. Mais ce n'était pas la honte. Ce n'était pas la honte. De... D'accord. J'avais la honte du fait que c'est les militaires qui m'ont fait ça, sans mon consentement. Parce qu'on n'a pas tombé d'accord pour qu'ils me fassent ça au stade là-bas. Est-ce qu'on a tombé d'accord? On n'est pas tombé d'accord. Ils ont fait ça parce que, c'est-à-dire... Comment je peux qualifier ça? Madame, vous savez qu'on n'est pas rassuré que vous avez été victime de viol? Oh. Est-ce que vous savez que moi, je ne suis pas convaincu? Dieu est témoin. Non, ici, c'est le... Seul le bon Dieu va juger. Parce que ici, la justice, là, on est là, on juge. Dieu connaît. De fait que moi, je ne peux pas les accuser. Je ne peux pas mentir sur eux, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Moi, aujourd'hui, c'est passé, mais ceux qui vont venir après, ça, c'est, il ça, faut que qu'on se respecte dans ce pays. D'accord. On verra ça après. Mais c'est le présent d'abord. Et ce n'est pas le tribunal de Dieu, c'est le tribunal des hommes. Ici, on vous demande de prouver, d'exhiber la preuve de vos affirmations. Une autre question. Maintenant, vous avez dit ici que c'était une période de menstruation. Vous maintenez le 28 septembre? Oui, maître. Vous étiez au premier ou au deuxième jour? Ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Oui. Vous avez dit que les militaires ne vous ont pas touché parce que vous étiez à cette période, n'est-ce pas?
Écoutez ce que je vous ai dit. Là, je ne peux plus, parce que j'ai expliqué ça ici, devant le tribunal. J'ai expliqué, vous étiez là, vous pouvez, je ne peux plus revenir sur là-dessus. Oui, parce que la notion de viol, madame... Une autre question, n'insistez pas sur la même question, s'il vous plaît. D'accord.